D'abord, je commence par nous excuser quelque part, hein, c'est ça, parce qu'on n'a pas fait la dernière émission. En fait, on a eu un problème relativement large, hein, à la fois la Covid, à la fois un problème technique. Suspicion. Hein, enfin, plein de choses qui ont fait que, excusez-nous, on n'a pas assuré la dernière émission. Mais aujourd'hui, on a une émission absolument intéressante que vous allez voir à plein de niveaux. Alors, on va évoquer un peu la COP 27 qui est encore en cours, hein, tu disais, Denis. À Sharm el-Sheikh, en Égypte. Voilà, en Égypte. On va parler de petites actualités, comment dire, judiciaires. On va parler. Alors, on a un grand invité aujourd'hui, enfin, c'est un grand invité quand même, il est venu plusieurs fois, à chaque fois nous parler de super sujets. Et là, c'est un sujet qui concerne tout le monde, je trouve que, voilà, avec l'été qu'on vient de passer, avec toutes les questions qu'on peut se poser sur l'agriculture, hein, à chaque fois tu nous entretiens quand même sur des choses qu'on ne comprend pas forcément, et là tu nous expliques quand même beaucoup de choses, Pierre-Yves. Donc aujourd'hui, Pierre-Yves voilà, va nous parler de l'eau. Et puis, Alain, tu n'avais pas complètement fini sur les retraites ? Pas totalement, oui. Alors, peut-être que je fais un petit rappel. Tu feras un petit rappel. Et pour finir, il faudra qu'on revienne sur le quiz de Denis à la fin, les trois dernières minutes, un peu plus, hein, pour que tu nous dises. Alors, le suspense est absolument terrible. Hein, voilà. Là, en plus, le fait d'avoir sauté une quinzaine de jours. Donc voilà, vous savez qu'il y a un quiz et vous avez encore peut-être 20 minutes pour essayer de trouver la solution au quiz de Denis de la dernière fois. Voilà. Donc on va commencer entre autres déjà sur la COP 27. Hein. Donc c'est la 27e fois qu'on a une COP. Hein, voilà. Depuis 27 ans, on a des COP. Et puis là, on a l'impression que c'est pas forcément mieux barré que d'habitude. Cette fois-ci, ça se passe en Égypte, l'Égypte de Sissi, hein, ce que tu nous dis. Oui. Quelle république ? Ouais. Et en fait, qui c'est qui subventionne, qui c'est qui amène des sous pour que cette COP se passe bien ? Vous savez tout ça, évidemment. Et qui c'est qui a pignon sur rue à l'intérieur de cette COP ? Et ben, entre autres, il y a Coca-Cola, hein, qui finance, qui est là, qui a ses entrées. Il faut dire qu'il y a quand même plus de 230 pays qui sont à la COP 27, qui défilent. Oui, bien sûr, mais enfin, Coca-Cola finance. Le plus grand pollueur plastique du monde. Et puis, il y a un autre grand financeur, c'est Microsoft. Et donc, Microsoft, le plus grand partenaire technologique de l'industrie pétrolière, gazière, etc. Et ces gens-là sponsorisent. Donc, évidemment, du fait qu'ils sponsorisent, ils ont des tickets d'entrée, donc ils peuvent faire du lobbying comme ils veulent à l'intérieur de cette COP27. Une fois de plus, les lobbies sont là. Voilà, les lobbies sont là, et ils sont pas qu'un peu là, quoi. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment leur ticket d'entrée, et c'est presque eux qui, tu vois, comme ils financent, on a besoin de là, vraiment, ils sont à un poste stratégique. Quand ils sont là à l'Assemblée, c'est pas eux qui financent l'Assemblée nationale, tu vois. Mais quand ils financent, là, ils participent au financement de la COP27, donc c'est autre chose, ils sont à un autre poste, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est complètement fou. Et alors, il nous explique quand même, tous les grands chefs d'État, qu'enfin, on va passer des paroles aux actes. Hein. Alors, les paroles, je vous rappelle quand même que Chirac nous a expliqué que la planète était en train de brûler et qu'on regardait ailleurs. Hein. Ça, c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Hein. On a Macron qui nous explique que la jeunesse du monde entier nous regarde. Voilà. Mais bon, voilà, c'est bien, ils font des belles phrases. Il change absolument rien, hein, parce que il faut quand même rappeler que la France a été condamnée deux fois pour inaction climatique. C'est quand même pas rien, hein, on n'est pas. Voilà. Et Macron est en train de donner des leçons comme il sait faire. Comme oui, mais il dit qu'il n'était pas aux commandes de gouvernement. Voilà, c'est pas lui. C'est pas lui, il était communiste. Voilà, c'est pas lui, il cherchait, c'est pas moi. Enfin, bon, voilà. Donc, en tout cas, les pays du Sud se retrouvent à payer la facture
très souvent salée du réchauffement climatique, du changement climatique, puisque pour l'Afrique particulièrement, sécheresse, cyclone, inondation, etc., c'est encore plus fort que chez nous. Hein, c'est-à-dire que là, c'est exacerbé dans certains pays pauvres, où eux ne sont responsables que 4% seulement des émissions de CO2, donc chercher l'erreur. Et il y a même des pays où il deviendra carrément impossible de vivre. Oui, dans les années à venir, on en est même très, très proche. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Et à un moment, dans les COP successives qui se passaient, entre autres dans la COP 21 à Paris, etc., ils nous expliquaient qu'ils allaient payer, en fait, indemniser les pays du Sud, pays pauvres, qui subissaient le changement climatique qu'on faisait subir à la planète, nous, pays industrialisés, etc. Donc c'était normal qu'on indemnise. Mais maintenant, le discours a changé, ils ne veulent plus indemniser. Là, à la COP 27, ils ont réussi à trouver que on va parler de coopération, de facilitation. Exactement comme le FMI, ils coopèrent, ils facilitent. Ils n'avaient pas tenu leur parole. Ils étaient partis sur 5 milliards chaque année donnés aux pays pauvres. Oui. Ils n'ont pas tenu leur parole. Non. Déjà, ils ont pas chaque année. Ils n'avaient pas tenu leur parole. Déjà, ils n'avaient pas tenu leur parole. Donc maintenant, ils n'en parlent plus. Ils n'ont plus besoin de tenir. Ça n'est qu'ils reviennent dessus. Sur les 100 milliards, ils ne donnent que 83 milliards, en fait. Et en plus, dans ces 83 milliards, excusez du peu, c'est pas qu'ils les donnent, c'est qu'ils permettent de faire des emprunts. Oui. Voilà. Donc les aides de 100 milliards, voilà. Enfin bon, voilà. Et ils continuent de faire du CO2. Hein. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Alors ça... Aucun changement profond. Voilà. Alors, comportement. Aucun changement de comportement. Et alors ça nous amène complètement à l'autre sujet qui me semble très important qu'amène Pierre-Yves aujourd'hui, c'est-à-dire ce comportement insensé où on ne réfléchit pas, on ne change rien, on continue à faire des belles phrases, mais le modèle continue à se construire de la même manière. En fait, ça amène à un moment une façon de repenser l'exploitation de l'eau qui n'est pas forcément quelque chose qui va nous amener un plus dans l'avenir. En tout cas, ce n'est pas une réflexion sur ce qu'on est en train de faire. Ben là, disons qu'il faut. Je pense qu'il faut faire. Pour revenir vraiment sur ce qui se passe en ce moment en agriculture et l'eau. Donc, depuis quelques années déjà, l'agriculture prend de plein fouet le réchauffement climatique et les sécheresses, donc le manque d'eau en période estivale qui devient de plus en plus important. Et en fait, on est dans une situation qui est toujours très compliquée et on essaie toujours de remplir, de répondre par une solution simple. En fait, il y a deux choses. Il y a une première situation qui est une situation d'urgence. Il faut quand même continuer à réussir de produire malgré le réchauffement climatique qui va être de toute façon inévitable, quoi qu'on fasse aujourd'hui. Et il faut tout faire pour mettre en place, pour changer à la fois le modèle agricole mais le modèle de société et donc revenir sur le productivisme. Pour éviter que le réchauffement climatique soit trop important pour que là, après, au final, on ne puisse plus rien faire. Donc là, en fait, aujourd'hui, on essaie de mettre un petit pansement sur une grosse hémorragie pour essayer de contenir l'hémorragie, mais l'hémorragie, si on continue comme ça, alors là, bon, c'est pas moi qui le dis, hein, tout le monde l'alerte, le dernier rapport du GIEC disait qu'il y avait 3 ans pour agir, c'est que dalle, 3 ans. Et ça fait déjà plus de 6 mois qu'ils l'ont dit, donc il reste plus de 2 ans. Oui, mais tu dis que tout le monde le dit, mais pas les médias en général. Les médias ne sont pas en train de me dire que... Non, non, mais enfin, tout le monde sait, tout le monde a entendu dire ça. Après, moi, je ne dis pas que les médias, ils parlent de, en effet, souvent d'autres choses. Donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où la proposition qui est faite par disons clairement par les syndicats majoritaires, FNSEA-JA, la PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, et le ministère de l'Agriculture, donc le gouvernement, c'est, et même au niveau de l'Ardèche, le conseil départemental de l'Ardèche, avec les assises de l'eau, c'est il faut irriguer les cultures. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se pose pas la question de réfléchir à comment remettre tout le modèle agricole en cause. Donc en effet, c'est compliqué, hein, remettre toute la société et tout notre lien au vivant. On réfléchit simplement à comment essayer de sauver ce modèle. C'est le quoi qu'il en coûte de Macron. C'est le quoi qu'il en coûte. C'est coûte que coûte, comment préserver le modèle existant. Donc en fait, on va se retrouver dans une forme de guerre de l'eau, en fait, puisqu'il va y avoir un problème à un moment donné de l'eau pour qui, pourquoi, pourquoi faire. Parce que ça va très loin. Hein. Si je cultive du maïs pour faire des poulets que je vais vendre à l'autre bout du monde, ben j'exporte de l'eau.
Donc, en exportant les poulets, tu exportes de l'eau. Voilà. Donc en fait, on se retrouve dans des situations qui sont assez compliquées, et on est à l'encontre de ce que d'autres définissent comme la souveraineté alimentaire, qui au contraire est la réflexion, j'ai envie de dire, la plus poussée pour trouver comment produire avec les ressources locales. C'est-à-dire qu'être souverain, ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut, non, ça veut dire réussir à produire avec les ressources qu'on a localement. Parce que ce que tu dis là, bon, on va exporter les poulets à travers le monde, donc on exporte de l'eau, mais c'est aussi au détriment des usagers de proximité. Ah, de toute façon, il va y avoir des gens qui se retrouveront sans eau potable. De toute façon, on est au début de l'histoire. Hein. Donc, dans les cas les plus extrêmes, c'est l'ouest de la France avec les méga bassines, où il y a aujourd'hui les permis de construire vont tomber par milliers, hein, et ça va s'étendre de toute façon. Où là, oui, vraiment, il va y avoir une privatisation de l'eau. Parce que quelles peuvent être les tailles les plus grandes de ces bassins? La plus grosse, aujourd'hui, elle fait 17 hectares. Tu vois, il parle de 33 000 hectares de bassins. En tout, oui. Hein, 33 000 hectares. C'est, vous vous rendez compte, 33 000 hectares de bassins. C'est impressionnant. On ne peut pas s'imaginer. En fait, c'est l'appropriation de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, au lieu de... On est là vraiment dans on essaie de sauver les meubles de ce système, de cette agriculture hyperproductiviste. Alors on parle toujours de réchauffement climatique, mais il y a un deuxième problème derrière qui nous pend au nez, qui est bien plus grave que le réchauffement climatique, c'est la chute de la biodiversité, qui là nous remet tout notre lien avec le vivant. C'est-à-dire que on a complètement, et l'agriculture moderne à coup de pesticides a détruit la biodiversité. Et d'arroser les cultures comme ça, c'est maintenir ça, c'est-à-dire que c'est maintenir une agriculture qui ne fait pas suffisamment, en tout cas, d'efforts pour tenir la biodiversité. Juste un petit break, c'est pas d'hier qu'on le sait, quand on va casser complètement la biodiversité et que les engrais, c'était pas une solution, qu'on était en train d'appauvrir les sols, etc. Parce que ce que tu expliquais tout à l'heure, j'espère que tu vas nous réexpliquer, parce que moi j'étais fasciné par ton explication, c'est qu'en fait, grâce à la biodiversité, grâce au fait qu'à l'intérieur des sols, il y a plein d'engrais naturels, qui ne sont pas les engrais qu'on va avoir emportés, on conserve l'eau. Le meilleur moyen de conserver l'eau dans un sol, ce n'est pas de l'arroser, c'est d'avoir l'humus, la matière organique, et au-delà de la matière organique, de la vie organique. C'est-à-dire d'avoir un plus... En fait, Darwin, il avait passé la fin de sa vie à travailler sous le sol, et on dit toujours qu'il y a une vache au-dessus, 9 vaches en dessous. Donc il y a 9 fois plus de matière, de vie organique dans le sol qu'il y en a sur le sol. Donc toute la vie, notre vie humaine, à nous, pas que simplement dépend de la vie du sol. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toutes ces bébêtes qui sont beaucoup plus discrètes que nous, qui font beaucoup moins de bruit, qui sont beaucoup plus calmes, font beaucoup plus de travail que nous. Et on ne pourra pas vivre sans cette vie organique. On n'est pas des super champions, on a besoin des champignons pour vivre, on a besoin de la vie organique pour vivre. On le voit, Pierre-Yves, dans nos jardins. Dans nos jardins. Lorsqu'on met de la paille, une certaine quantité de paille, il y a toute une vie, d'abord il y a une humidité qui se conserve dans le sol, et puis il y a toute une vie qui se crée, disons. Donc c'est le complexe argilo-humique, c'est la base même de l'agriculture, c'est-à-dire qu'une agriculture vivante, une agriculture qui veut, qui est un sol qui doit vivre, doit avoir des taux d'humus. Or, on est en déficit de matière organique actuellement, donc on arrose des sols qui sont en déficit de matière organique, donc on crée du lessivage. C'est-à-dire qu'en fait, la matière organique ne profite pas de l'eau. Donc en fait, c'est nécessaire d'arroser, hein, personne ne remet en cause de l'irrigation, mais ça n'a pas d'intérêt d'arroser des sols qui n'ont pas suffisamment de matière organique. Donc il faut commencer par une bonne agronomie. Et pour qu'il y ait une bonne agronomie dans un sol, donc il faut qu'il y ait de la matière organique, mais il faut surtout qu'il y ait de la vie organique. Et cette vie organique, elle nécessite l'absence totale de pesticides. Voilà, c'est la question, Alain, que tu posais tout à l'heure justement sur les pesticides. Tu te souviens quand on était en train de... Je ne me souviens plus de la question, il me semble que beaucoup de sols ont été, de toute façon, on dit qu'on a beaucoup de sols qui ne sont plus très fertiles. Bah, de toute façon, oui, on a détruit... On a détruit la terre, oui. Donc en fait, juste pour faire une parenthèse, on les connaît, ils sont célèbres... Ça s'appelle Claude et Lydia Bourguignon, c'est des anciens
de travailler à l'INRA, ce sont des biologistes du sol, et eux ont eu la réflexion un jour de se dire, quand ils travaillaient à l'INRA, ils se sont dit, putain, on travaille sur comment faire vivre les sols et tout. Et on a l'exemple, c'est la forêt. Il n'y a pas plus productif qu'une forêt. Et une forêt en plein été, vous pouvez y aller, vous grattez, il y a de l'humus. Il y a de la vie dans une forêt. Parce que dans une forêt, on n'intervient pas, on ne touche pas, et donc il y a de la vie. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cultiver. Ça veut dire qu'il faut de trouver la manière de cultiver pour être le plus riche possible. Et alors après, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de l'agriculture, mais on a une agriculture qui est très très mal organisée et qui en plus utilise très mal les sols, parce qu'en fait, on fait de la monoculture. Donc en fait, en faisant de la monoculture, on n'est pas si intensif que ça, on est beaucoup moins que ce qu'on pourrait l'être. C'est le principe de ce qu'on appelle aujourd'hui la permaculture, mais qui n'est pas nouvelle, l'agroforesterie, qui existait déjà avant, où on utilisait beaucoup mieux les sols. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on invente, qui existe. Et c'est en tout cas, tant que ça ne sert à rien d'irriguer une agriculture qui n'est pas. Qui n'a pas besoin. Surtout dans ce que tu es en train de développer, là, dans ce que tu viens de dire, la dernière fois, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a des modèles où on voit que ça a amené un appauvrissement, de toute façon. Comme en Espagne, tu disais. Oui, en Espagne, même au Mexique. Alors, ça, au Mexique, ils ont construit des méga bassines en voiture, voilà. En Espagne, non, ils n'ont pas fait trop de méga bassines, mais ils ont énormément pompé dans les nappes phréatiques. Et aujourd'hui, oui, en effet, ils ont des gros déficits en eau. Alors ça, c'est aussi le problème de l'irrigation. Alors, encore une fois, je dis pas qu'il ne faut pas irriguer, je dis qu'il faut faire très attention de la manière comment irriguer et qu'est-ce qu'on irrigue. Et dans le comment irriguer, il faut vraiment faire très attention à ne pas détruire le cycle de l'eau. Oui. L'eau, c'est quelque chose qui a un cycle, que la nature sait très bien faire. Elle sait stocker, elle sait restituer, elle sait faire tout ça. Les sources ne coulent pas d'elles-mêmes. Hein. Les sources, c'est ni plus ni moins les résurgences des nappes phréatiques. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait pour ne pas détruire tout ce système. Je pense que là-dessus, on peut quand même être méfiant, parce qu'on s'est aperçu qu'on était quand même assez fort pour détruire certaines choses. Donc je pense qu'avant de se lancer dans des méga travaux sur l'irrigation... Ça va loin aussi, parce que tout à l'heure, vous étiez dans un échange, Denis et toi, sur la façon... Donc si on irrigue trop, à un moment, on change aussi le comportement de la plante. Ça, c'est surtout aujourd'hui le gros délire qu'il y a, surtout ici en Ardèche, de vouloir absolument irriguer la vigne. Parce que c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, les vignes ont plus de mal maintenant à tenir sur juste avant la récolte. Là. Donc le gros délire, c'est de se dire, on va arroser les vignes. D'arroser les vignes, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'on risque en effet de changer le comportement de la vigne, qui elle a tendance à aller déjà vachement en profondeur. Et donc à mon avis, avant d'arroser les vignes, ben, enrichissons les sols des vignes, et puis surtout changeons de technique, de méthode pour réussir peut-être le tassement des sols, les passages en tracteur. Il y a quand même beaucoup de choses à mettre en avant d'irriguer. Oui, qu'il ne faut pas irriguer, en tout cas, il y a certaines cultures. L'arrosage, ça lave les sols, et puis on le voit en Bretagne, avec les algues marines qui se développent. C'est l'élevage intensif du cochon qui fait que, pour étendre leur lisier, étendre le terrain, que derrière il pleut ou ils arrosent, et ça se retrouve à la mer. Donc il faut se méfier énormément de l'arrosage. Et avec des zones super dangereuses, où on peut mourir. Oui, les algues, oui. Quand elles fermentent, les dégâts de gaz toxiques. Donc... On va parler d'autres sujets, si, à moins que tu aies encore un... Sur l'eau, moi je voudrais simplement dire que c'est un bien commun. Ça me semble hyper important. C'est un bien commun. Et puis l'eau, c'est la vie. Et je crois qu'un être humain peut vivre 3 jours sans boire, mais pas plus, quoi. C'est extrêmement limité. Tout à l'heure, tu parlais d'une dame qui s'appelle Emma Aziza, c'est ça ? Ah, c'est une hydrogéologue, hein, c'est ça ? Qu'on peut trouver oui, sur Internet, qui explique bien, en tout cas, sa position qui est assez intéressante. Parce qu'ils sont là même plusieurs chercheurs et hydrogéologues ou hydrologues à alerter quand même sur ce qui se passe avec l'eau. Parce qu'on voit bien qu'en ce moment... Il y a certainement une angoisse de tout le monde par rapport à ce qui se passe. La solution, c'est de vouloir arroser à tout prix. Encore une fois, c'est pas une ressource qui est aussi abondante. Alors, je ne vais pas rentrer, on sait aujourd'hui que dans moins de 10 ans, un tiers des glaciers auront fondu. Enfin, il y a énormément de conséquences qu'il va y avoir sur l'eau. Et je pense qu'il faut, avant d'irriguer... en pagaille, il faut véritablement réfléchir à changer le modèle de production. Alors avant qu'on arrive au quiz de Denis, Alain, tu voulais
développer un peu mieux, finir de finir sur la retraite. Sur la on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Alors, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Alors, je vous avais parlé de l'histoire hein, de la retraite, comment la retraite s'était, mise en place en France. Hein, c'est surtout au moment de la Seconde, après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des réformes successives, je ne sais plus si j'en avais parlé, des réformes successives. Oui. Hein, en 1982, la loi Auroux, il y a eu une suite de lois et de réformes. Hein, la loi Fillon, la réforme Touraine, qui est une réforme importante, hein, parce que la réforme prévoit l'allongement de la durée d'assurance nécessaire pour une pension de retraite à taux plein à 172 trimestres. Je dis importante parce que tous les gens qui sont nés en 1913 devront avoir à travailler 43 ans au lieu d'aujourd'hui 42 ans. Voilà. Donc, petit calcul, si vous voulez, si suite à la loi Touraine, si vous êtes né en 73, si... Donc on va partir du principe que vous faites une vingtaine d'années d'études, hein, vous êtes enfant, adolescent, vous arrivez sur le marché du travail en 1993, vous travaillez 43 ans, et bien vous aurez le taux plein à 63 ans. Voilà. Donc dans les conditions, tu dis, dans les conditions, tu commences à travailler à 20 ans. Voilà, il faut commencer à travailler à 20 ans, voilà, il faut que tout se passe, disons, à peu près correctement. Hein. Donc, et pour avoir un taux plein, il faut travailler constamment, il ne faut pas avoir période de chômage, voilà, quand on connaît le contexte actuel. Alors pourquoi Macron, c'est la question qu'on peut se poser, hein, pourquoi Macron veut réformer en urgence, surtout qu'on est allé voir le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Le corps. Il n'y a absolument aucune urgence. Hein. Les comptes sont plutôt sont à l'équilibre. Il n'y a pas de danger financier dans le système, ni aujourd'hui ni demain, suivant les évolutions et les perspectives de retraite. Donc on ne sait pas trop, ou plutôt on peut comprendre, hein, qu'il veut aspirer de l'argent, parce qu'en fait, il y a eu des avantages qui ont été accordés, entre autres aux entreprises. Hein, mais je vais être obligé de t'arrêter, on continuera à expliquer tout ça la prochaine fois, parce que sinon, Denis n'aura pas le temps pour son quiz. Alors allons-y, c'est Denis. Alors le quiz, c'était, je peux recevoir plusieurs milliers de personnes, j'ai inspiré plusieurs films, donc le divertissement. Au dramatique, ben c'est oui, c'est le divertissement, c'est la croyance amuse, et dramatique, en disant, on va dire que c'est Titanic. Je suis le bienvenu presque partout, parce qu'à Venise, personne n'en veut. Je suis l'un de 323 plus gigantesques, oui, nous portons le nom qui peut faire rêver, évidemment. Et puis je rejette chaque jour 773 tonnes d'eau grise. Voilà, donc vous avez deviné, c'est les paquebots de croisière. Donc il n'y a pas que les paquebots de croisière, parce qu'il y a tous les porte-containers, et puis les yachts. Alors, on a parlé de jet privé, on n'a jamais parlé des yachts, mais on peut parler des yachts. Donc, je vais rebondir, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, sur les eaux. Les eaux grises. Les eaux grises, c'est quoi d'abord? C'est les eaux sales qui sont rejetées, donc, ça, les eaux de quand on se lave, des oui. Toilettes, de la vaisselle, de lave-linge et compagnie. Donc, les plus gros bateaux, donc, ils font 6988 croisiéristes, ouais. Plus 2300 personnes pour les servir. Donc, en général, c'est malheureusement des pays en sous-développement, comme ils sont moins chers, ils sont payés grâce à pierre. Donc, c'est de l'exploitation, c'est le nouvel esclavagisme. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça fait à peu près 10 000 personnes sur ces gros bateaux. Donc, ces gros bateaux, ben, il faut, évidemment, ils se vendent 773 tonnes d'eau grise par jour. C'est une ville comme Ovna. Voilà. Oui, sur Ovna, oui, par jour. C'est impressionnant. Donc, ils représentent, alors, les 323 navires comme ça représentent 10% du volume d'eau grise rejetée à la mer. Sur la planète. Donc, c'est important quand même. Ouais, ouais. Rien que eux, c'est 10%. Donc là, le truc, c'est qu'ils rejettent beaucoup aussi de microplastiques à la mer. Ah bon ? Voilà. Ils rejettent à peu près 100 000 tonnes par an de microplastiques. Ces microplastiques qu'on retrouve dans la chaîne alimentaire, et je dirais, comme disait Pierre Rabhi, il ne faut pas dire bon appétit, il faut dire bonne chance quand on mange. Voilà. J'ai encore un peu de temps, donc je veux continuer. Donc on peut parler aussi de la pollution des moteurs de bateaux. Oui. Parce qu'évidemment, c'est du mazout grossier hein, qu'ils utilisent, donc il est encore plus polluant. Alors que ce soit le monoxyde de carbone, donc le CO2 qui pollue et qui fait le réchauffement climatique, hein, ou le dérèglement climatique, appelons ça comme on veut, et il faut aussi de l'oxyde de soufre. Comme c'est mal raffiné, c'est mazout, ils font beaucoup d'oxyde de soufre, qui pollue aussi la planète.
Et même, même dans les ports, quand ils sont accostés, ils polluent aussi. Parce que quand même, les machines tournent, parce qu'il faut faire de l'électricité, et il faut faire quand même tourner le moteur. Et donc, ils polluent même dans les ports quand ils sont accostés. C'est honteux. Mmh. C'est honteux. Et tout ça, un coup, ça va disparaître. Il ne faut pas se faire du genre, parce que le pétrole, c'est sûr et certain qu'un jour, il n'y aura plus. Donc ceux qui disent « Ah, il faut aussi, si, non, oui, non, enfin, c'est du luxe, c'est si, du luxe. Si, » si on commence à avoir de l'électricité qui fait concurrence au pétrole, ça va mettre quand même un certain temps avant qu'on en ait plus. Ah, vous n'avez pas pour faire marcher le paquebot. Ouais, non, mais je ne parle pas des paquebots, là, je parle pour le reste. Ah oui, bah, bref, oui. Ce monde-là va encore durer, le quoi qu'il en coûte de Macron va encore durer un petit moment. Hein. Enfin bon... Bon, sujet passionnant, tout ça, mais l'émission est finie. Voilà. C'est la faute à Fréquence 7. Allez. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci, Fréquence 7. Ciao.